Et vous voyez, il faut que le dos, il soit bien plat, d'accord? Faut qu'on puisse poser un verre d'eau ici et qu'il se renverse pas. Vous voyez, quand je vais accélérer le cheval, mon dos, il reste bien plat, vous voyez? Et là, maintenant, c'est à vous. Oh bah c'est super, c'est génial. Vraiment, les enfants peuvent vraiment vivre quelque chose concrètement. Donc moi, je trouve ça super. Bravo. Et surtout, quand vous arrêtez, donc vous allez avoir les étriers, comme ça. Vous vous rasseyez d'abord, d'accord? Bah, ils sont conquis, c'est sûr. Ça, c'est gagné déjà. Ils repartent avec le sourire, donc ça, c'est bon. Et il y a des très bonnes positions en plus. On voit qu'il y a des gens qui ont le truc direct. Ils ont l'équilibre, ils sont encore souples à cet âge-là, donc ils ont de la chance. Donc même les maîtresses s'y mettent, donc tout est parfait, tout va bien. On a découvert tout le monde du cheval à travers des lectures, des documentaires pour découvrir les différents métiers qui gravitent autour de cet animal. On s'est constitué une banque de mots, une banque de lectures pour améliorer, apporter des connaissances, pour donner envie de découvrir le monde équestre. T'agrippes ça, et là, tu te mets debout. Super. Voilà, ça bloque bien. Et là, tu plies un peu tes coudes, que les coudes, ça tu restes tendu, et tu te baisses un petit peu. Baisse, et regarde. Bon. On travaille après sur ce que vous avez dit dans les sorties, donc on reprend des choses que les enfants ont entendues. On a repris en gros, entre autres, le travail sur la clinique vétérinaire, voilà, les allures du cheval, le matériel. Enfin voilà, on essaye de reprendre en classe après ce qu'on a entendu. Et là, tu peux commencer à pousser avec tes mains, sans lever. Tu pousses juste doucement. Super. Encore, regarde bien la course, hein. Parce que là, t'es troisième, t'es quatrième. Ils sont hyper enthousiastes à l'idée de voir ce que c'est une course, de rencontrer un jockey, de voir comment ça se passe. Ils ont des questions qui sont très pertinentes, ils vont vraiment chercher vraiment dans le détail, donc ça c'est hyper intéressant. Et malgré que ce soit un jeune public, ils sont intéressés et intéressants, donc ça c'est top. Et sur le cheval mécanique, ils écoutent vachement les conseils, tout le monde joue le jeu, et donc ça c'est super. Et là, il faut te faire accélérer, tu vois. Donc tu vas t'allonger un petit peu, tu vas te baisser, et là tu vas pousser. Et là, il faut qu'il accélère ton cheval. On a été agréablement surprise avec nos collègues parce que nos élèves ont retenu énormément de vocabulaire. Ils ont mémorisé beaucoup de choses et ils sont très intéressés à chaque fois qu'on fait une visite, aussi bien sur les lieux comme l'hippodrome ou le haras, ou lorsqu'on rencontre des cavaliers comme Thomas. Ils sont heureux, heureux, vraiment heureux. Et frustrés parce qu'ils ont envie d'avoir encore plus.